sers de ta lumière astrale et porte à mon ennemi le coup fatal. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission, c'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom, le dragon ailé de Ra. C'est lui. Admirez ma créature divine. C'est le plus puissant de tous les monstres de dieux égyptiens. Le moment est venu de mettre un terme à ce duel. Levez le nom de l'Éternel. Merci Éternel en ce jour de Shabbat. Nous sommes le 12 décembre, le 12-12-2020, ce qui fait 3-3-4. Nous sommes le 11, jour de la destruction. Donc c'est pour vous montrer que vous êtes dans un délire. Les humains sont dans un délire, il faut arrêter de regarder. Donc aujourd'hui, on m'a envoyé un message concernant les numéros de loto qui a été gagné hier soir. Et je vous dis d'arrêter de jouer parce qu'ils se foutent de vous. Et il est 13h13 et 33%, ce qui fait 4-4-6, ce qui fait 14. Le jour de la haine, on m'a envoyé ce message. Voici les numéros gagnants, le 6, le 9, le 13, le 24, le 41 et le 2 étoiles sont le 3 et le 12. Regardez bien, je vais vous mettre l'anagramme de ces chiffres démoniaques. Et la personne à qui a gagné est un très grand démon. C'est pour ça que pour l'instant, d'accord, il ne se manifeste pas. Le 6 représente la lettre F, le 9 le I, le 13 le M, le 24 le X, le 41 4 plus 1, 5 E. Le 3, le C. Le 12, le L. Et quand vous additionnez tout cela, vous rangez par ordre, regardez ce que cela vous donne. Ce film X, parce que vous êtes dans un film sur la Terre, un film démoniaque. Et là, je vais vous montrer les numéros de la semaine précédente. Vous allez comprendre que votre vie tourne autour d'une histoire de cul. Tout est une histoire de cul. Donc, regardez bien là, le 14 de N, le 38, 3 plus 8, K, 11, 20, c'est la lettre T, 27, 2 plus 7, 9, I, 3 plus 4, 7, G, 1, A, et 11, K. Et le tout va nous donner le King Cat. Ça veut dire le corps physique du roi. King. Vous voyez, parce qu'il a besoin de l'argent pour venir. Donc là, c'est Hadaja, là, c'est un démon qui est là. Ou une démon, d'accord. Et quand vous regardez la date qui a été mise du 4-12, deux jours après, c'est la Saint-Nicolas, le démon du Père Noël, c'est-à-dire Noël, pas l'Éternel. Et le 11 décembre 2020, deux jours après, c'est le 13, qui est la Sainte-Lucie, Lucifer. Vous voyez, tout ça, c'est calculé. Cette personne a 120 jours pour se faire connaître, d'accord? Donc, vous allez attendre combien de jours elle va se manifester. Et ça veut dire aussi le ciel XFM, c'est-à-dire l'inconnu venu du ciel attendu par la franc-maçonnerie. D'accord? Donc, on l'attend et on verra bien son visage. Au tête.